Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'hybride X-Fractor qui est maintenant de base sur Farming Simulator 22. C'est un petit truc bien sympa qui fait des balles d'ensilage. Vous pouvez faire des balles rondes ou des balles carrées. Et la petite nouveauté, c'est que avant, quand on faisait comme ça, si on jouait hors mode saison comme là je joue, on pouvait ouvrir les bâches directement, mais là on ne peut pas car elles ne sont pas encore fermentées. C'est la petite nouveauté FS19, c'est pas mal. Et là c'est tout simple, vous prenez votre télescopique ou votre chargeur. Prenez votre balle d'herbe. Bon, vous voyez, il se place automatiquement. Et ça s'enroule tout seul. Vous avez juste à déplier la machine avant de commencer. Et après, vous êtes tranquille. Le 19, on pouvait faire 2 balles par 2 balles. Là, c'est une par une, c'est un petit peu dommage. Machine recule toute seule une fois que la balle d'ensilage est faite. Voilà. Et elle bouge toute seule et comme ça ainsi de suite. Vous faites toutes vos balles comme ça. Par exemple, si vous voulez faire réaliste, voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message ou un commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Allez, moi je vous dis ciao, ciao, à la prochaine!